Salut à tous et à tous, c'est Jordan, on se retrouve pour l'épisode 4 de la campagne avec la Bretonnie, donc très bizarre, très bizarre. Vous allez être aussi étonné que moi, jeunes gens. Le mode a beau être marqué incompatible avec la version du jeu, j'ai réussi à lancer la campagne absolument sans problème du premier coup, alors que le jeu est bien marqué avec le panneau attention, là, le panneau de merde là qui dit qu'en gros, voilà quoi, c'est pas compatible et puis c'est tout, et bah j'ai réussi à lancer la campagne. Donc finalement, malgré ce que j'ai dit dans la vidéo de Shogun et de compagnie au Firoz, et bah vous aurez un épisode 4 avant la rentrée. Donc voilà, et peut-être même plusieurs, parce que du coup, puisque la campagne peut reprendre, bah je vais sûrement rusher un petit peu au niveau des épisodes sur le temps libre qu'il me reste avant de partir en vacances. Donc voilà. Donc bah du coup, on est parti pour cet épisode 4, donc je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas lancé mon let's play, donc du coup on va mettre un petit peu de temps avant de s'y retrouver. Donc je suis en guerre avec le Pavaon qui possède Brion et Quenelle. voilà, c'est un mauvais jeu de mots, voyons. Et je suis en guerre avec le Moussillon, donc les vampires de la Bretonnie. Et il y a ici les bords de l'eau. Oui, bord de l'eau. C'est la faction qui s'appelle comme ça aussi. En plus de la ville. Très bien. Donc bah c'est super. Donc dans la région des forêts d'Ardennes, j'avais lancé la construction de cela qui me ramenait 8 au niveau de la croissance et 42 pour la ressource. Je sais pas, ça doit être... je sais pas trop ce que c'est. Ouais, bref. Ensuite, j'avais une armée ici, à Bastogne. D'ailleurs, Bastogne, il me semble qu'on avait augmenté sa défense. Ah non. Non, on avait augmenté les défenses, la garnison pour Montfort, mais pas pour Bastogne. Là, c'est faible, la défense du château de Bastogne. Celle de Pavaron aussi, néanmoins. C'était plutôt au niveau des faux. Moi, non, en fait, mes châteaux n'ont pas de très bonne garnison du tout. En plus, Marienbourg, ça colle pas trop. Il n'y a que le château de la couronne qui est hyper défendu, voire même imprenable. Et on a d'ailleurs ici lancé une espèce, je sais pas, de smithy. En fait, je crois que c'est, il me semble, c'était en fait en français à la base, peut-être le mod. Et la compatibilité qui est marquée, c'est en fait le fait que la dernière version du mod qui permet de l'avoir en français n'est pas encore sortie, mais sinon on peut jouer au mod en anglais. Donc je pense que c'est ça en fait. Ça doit être ça, j'en sais rien du tout. Et puis bah, voilà, c'est pas très dérangeant, on va se débrouiller en anglais, hein. Je pense qu'on va lancer notre armée ici. Il n'y a rien du tout à Quenelle, donc on va aller la chercher, la ville. On a moins 5 sur l'ordre public, on est en baisse, mais bon, c'est pas terrible, c'est pas très grave. J'ai regardé, je suis pas en guerre, non, je suis vraiment en guerre qu'avec les deux factions que l'on voit, donc ça c'est bien. L'Artois s'était étendu, mais on avait fait une paix avec l'Artois, il me semble, si je me souviens bien, avec l'Estalie, faudrait voir, ouais, avec l'Estalie. Si on peut pas faire un accord, non, ils veulent pas. Un accord commercial, ils veulent pas, je peux aller me faire foutre. Et le Nordland aussi, je peux aller me faire foutre. Donc les mecs, ok, les mecs non, ne sont pas, ils sont pas chauds, ils sont pas chauds. Ok, ok, on va passer le tour, de toute façon j'ai pas de thunes. Et moi j'ai un revenu correct, hein, parce que j'ai quand même deux armées quasiment full. Et il me semble que je dois avoir quelque chose aussi au nord, non? Ok, au nord, bon bah au nord j'ai rien. Donc non, j'ai que deux armées full. Enfin quasiment. Mais il me semblait j'en avais une deuxième. Ah non, bon bah très bien. Très bien, très bien. Ok. Et bah du coup on va continuer en direction de Quenelle. J'espère que je vais pas me faire avoir par s'il y a une armée qui débarque de Brion, mais probablement pas. Puis en plus je pense pas qu'elle puisse faire. À moins qu'elle soit cachée, tu vois. Mais je pense pas qu'elle puisse venir arriver de nulle part. Alors, paix négociée entre
les nains de Carax Ziflin avec le Middleland et Bordelot et Moussillon. Ok. De ma foi, ça m'arrange pas trop la paix entre Bordelot et Moussillon, parce que les Moussillons, c'est ce que j'ai envie de me débarrasser. Et c'est vrai qu'ils ont une excellente armée. Ils ont une énorme puissance, mais voilà, c'est pas terrible. Et je pense que si je fais une attaque coordonnée avec mes deux armées, je n'arriverai pas à battre les trois armées plus la garnison du Moussillon. Ouais, c'est joué. Ok, d'accord. Okay. Et Carcassonne qui me terme aussi. Pas de agression, très bien. Ok, donc les mecs, les factions de la Bretonnie commencent à vouloir me faire la peau. Ah, il y a la guerre entre les Bordelots et l'Estalie. Ça, c'est plutôt bien. Pendant qu'ils se pètent la gueule, moi, je vais carotte du territoire. Ma foi, ici, à Cizoureux, j'ai plutôt une bonne garnison pour commencer. Donc, on va pas améliorer ce bâtiment. Je serais tenté plutôt à améliorer ça, peut-être. Mais il y a ça plutôt d'important à faire. Comme ça, on va augmenter la garnison de Bastogne. Et ouais, on pourra faire un bâtiment de garnison, bâtiment défensif, parce que sinon je suis obligé un petit peu de laisser mon armée à Bastogne, parce que Bastogne est assez stratégique, hein. C'est la ville, la place forte qui est au centre de la Bretonnie, un peu. Donc voilà. Je sais pas si on l'a fait pour la fun, peut-être on peut la faire. Ouais, on va la faire. On va la faire. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit ça pendant un moment. Je vais faire plus de batailles. Je vais arrêter de faire trop de résolutions automatiques. Parce que, en fait, sinon, je vais terminer trop vite ce let's play. Je vais terminer trop vite ce let's play avec la Bretonnie. Parce que, bah, voilà, la campagne avec la Bretonnie n'est pas très très longue à faire. Je me rappelle que j'en avais déjà fait une avec la Bretonnie, mais c'était avec un autre mode, mais c'était un peu le même délire, hein. C'était les mêmes villes à prendre, les mêmes objectifs et tout, c'est juste un peu plus simple. J'avais réussi à finir en moins de 100 tours, donc faire un let's play en moins de 100 tours, ouais, c'est pas terrible, c'est un peu trop court à mon goût, donc par rapport à ce que je fais d'habitude, bien sûr. Donc du coup, voilà. Moi, je vais un petit peu plus prendre mon temps, vous proposer un peu plus de bataille, parce que bah voilà quoi. Puis c'est pour la prise de la ville de Quenelle, quand c'est une ville. Donc du coup, voilà, c'est la prise d'une ville. C'est pas comme si par exemple, ce serait du renfort à aller chercher et que le renfort serait quasiment anéanti et que j'étais absolument sûr de gagner, de perdre quasiment aucun homme. Là ouais peut-être, mais là non, faut arrêter, faut pas pousser mémé dans les orties, hein. Voilà. Alors ouais, le temps est un peu dégueulasse. Men in arms. On va faire une ligne d'albardier, on va mettre mes archers juste derrière. Non, on va même les mettre devant en fait. Oh, on s'en fout un peu. Hop, on met la cave là. Mes trébuchets là et mon poteau ici. Et puis bah c'est cool. C'est cool. Allez. Hop, on va avancer ça jusque là. On va aller faire partir ma petite cavalerie. Il y a de la cavalerie, en face il y a de la cavalerie. Il y a de la cave. On va pas se faire avoir par la cave, hein, ça serait dommage. On a de la cave. On a deux unités d'archers. Et deux unités d'infanterie de lanciers, ok. Et leur général. Très bien. Et ben on va essayer de dégommer le général. On va essayer de viser à peu près là où il est et en même temps tirer sur l'unité de lancier. Ça peut être cool, ça peut être jouissif. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Eh, mais les mecs, courez, quoi. Ça serait bien, en fait, de se bouger un petit peu comme ça. Tu vois, en fait. Hop, on va charger cette unité de cavalerie. De toute façon, il faut rien comme deux unités de chevalier du Graal. Ah ouais, c'est vrai, j'ai le mode Boudengor, même ça je l'avais oublié tellement que ça fait longtemps que j'ai pas touché à Warhammer. On va
essayer d'accrocher l'unité de cavalerie. De toute façon, contre des unités d'Albardi, ils vont pas faire grand chose les mecs. Je vais totalement les buter. J'ai vraiment le dessus partout. Pour vous dire à quel point ces mecs sont faibles. Hop, ils vont même pas atteindre mes lignes que je les aurais déjà tous défoncés. Hop, on va tous tirer au même endroit. Par une qui va continuer le harcèlement ici. Voilà, voilà, très bien. Très bien, très bien. Bon, il retente une charge. Ça, c'est un petit peu con. Je galère un peu, je galère un peu. Les Albardiers ont du mal. Hop, voilà. Ils partent tous sur des routes. Ils se sont tous fait un peu massacrer dans l'histoire. Voilà, la victoire est d'ici. Nous avons gagné. Mais on a pris un peu de pertes quand même sur le fruit à 99 pertes. Sur une bataille si simple. Mais voilà, c'était pour le fun, j'aime bien. J'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, un petit peu avec le sang et tout. Je trouve que je vous l'ai pas assez montré encore dans les vidéos sur Warhammer. Puisque c'est trop tactique des fois et que je peux pas me permettre de prendre le temps de vous montrer le décor du jeu. Ouais, non, non, mais non, pas ça. Je suis sur mon téléphone en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'ai un message les gens. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, mon ami. Oui, attends. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir lui renvoyer un message à ce garçon. J'avais oublié à quel point les chargements sur Warhammer, putain, je me mélange même sur les Total War, c'est chaud. Pour vous dire à quel point j'y joue pas souvent. C'est vrai que pendant les grandes vacances, franchement, les Total War, j'y ai pas touché en fait. Vraiment, quand j'y touchais, c'était vraiment juste pour vous proposer une vidéo. Sinon, je ne faisais absolument rien. Au niveau Total War. Enfin si, au niveau peut-être Verdage en fait. Ouais, Verdage. Sinon c'est tout. Je serais d'avis de mettre à sac. C'est pas une ville importante, c'est pas une ville où il y aura beaucoup de choses. Hop. Et on recapture derrière. Voilà. Donc attendez, parce que j'ai un truc à faire là. Je dois envoyer le numéro à une pote. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Excusez-moi. C'était pas prévu. Donc voilà, alors. Ok. Et ça, c'est cool, ça. J'ai déjà plus 85 quand même au niveau de la croissance. D'ailleurs, c'est grâce à quoi? Ah ouais, c'est d'accord. C'est que grâce à ça, quoi. Mais... pourquoi ils me disent... hein? C'est n'importe quoi. Pourquoi ils me disent que je peux faire une amélioration du bâtiment alors que non. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, l'ami. Mais oui, Jamy. Mais calmez-vous. Bon, du coup, ici, on sécurise plus ou moins nos frontières, hein, dans l'histoire. C'est intéressant, ça. Mais on s'en bat les couilles. on a ça, ok. Ça améliore la croissance. Ça, c'est cool, ça. Mais j'ai déjà... ah ouais, j'ai déjà 165. Ouais, non, on va pas abuser, quand même. Ouais, non, pas de bâtiment militaire pour l'instant. C'est pas une obligation. Je serais d'avis à améliorer plutôt la mine. Non, pas ça. Il n'y a pas autre chose en fait là parce que c'est relou.
Et puis bah ça, allez, hop, ça c'est cool. On a une compétence attribuée à notre ami Tiruf de Bray. De Bray. Un bonus de charge. Ouais, on va commencer à partir sur ce style de compétence parce qu'on n'a rien du tout. Et on va peut-être recruter un petit peu. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai pas de caserne appropriée dans cette région. Il faudra peut-être d'ailleurs que j'en construise une parce que là ça commence à puer la merde. Ce qui est bien, c'est que par exemple, si les mecs veulent aller aller chercher Varon, pardon, ils sont quasiment obligés de prendre Montfort. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et va aller passer Montfort pour dans un premier temps, ça sera assez difficile. J'ai de la cavalerie du Graal, j'ai 5 unités d'archers, 4 unités de lanciers, plus deux autres unités de cavalerie assez basiques. Donc voilà, dans un premier temps, ce sera assez compliqué pour eux. Tiens, ok, ouais, non, on s'en va les couilles. J'ai envie de déclarer la guerre au bord de l'eau, mais pas tout de suite. J'ai peut-être d'abord terminé le Pavaron. On va passer le tour, Ah, ok. Non. Dans un premier temps, non. Non. J'ai pas de problème au niveau de la corruption. Donc ouais, allez. Moi, franchement, je dirais que ce que j'ai pris, c'est bien. Ça peut être cool. Pour développer assez rapidement. Allez, hop. On passe le tour. Le tour. Alors. Allez. Allez, bâtard. Ah, les enfoirés. Ah, il y a le Moussillon qui commence à aller chercher la ville de Lyonnais. C'est intéressant, ça. Ça peut être une porte ouverte à l'invasion du Moussillon. Ok, on a déjà un surplus. Ok. Bon, ok, on a déjà un surplus de population à cet endroit. Super. Ici. On va pas faire de deuxième armée tout de suite. On va arrêter les conneries quand même. Hein. Voilà. Je suis surpris là. En fait, je sais pas trop quoi faire, mais je serais d'avis en fait. Faut que je demande un accès militaire à ces petits cons. Est-ce qu'ils vont accepter? Logiquement, oui. Putain, ils veulent pas. Bah ta mère, bah... En fait, je vais pas te demander ton avis. Je vais passer au travers. Puis c'est tout. Avec mon pote Louan Léon Coeur. Ça c'est mon gars sûr, ça. Vous pouvez pas tester. Du coup. Ah putain, j'ai à deux doigts de l'avoir ce coup. J'ai à deux doigts de pouvoir aller chercher. Non. Je crois que je vais commencer une nouvelle armée. Recruter un seigneur et on va recruter et ben ma foi j'en sais rien du tout. Mertrand Malène, allez, on va faire les thugs. Allez, on recrute cet individu. On va pouvoir faire de l'infanterie de Bretter. De l'infanterie de Bretter toujours. Mais eux sont pourris. Les menatarmes, ils sont pourris. Mais ceux-là sont bons en fait.
Ceux-là sont très bons. On va faire 4 unités d'archers pour commencer. Pour commencer cette armée, on va faire 4 unités d'archers. J'ai combien de slots? J'en ai 4. Ok, je peux faire 4... je peux recruter 4 unités en même temps, d'accord. Hop, on va passer le tour et on va voir ce que cela va déclencher. Est-ce que le moussillon... Ok. Donc apparemment, le moussillon est en train de gagner sur le lyonnais. Et là, ça pue. Je vais peut-être devoir retourner à Bastogne parce que j'ai vu le pavaron jouer un petit peu là. Ça me plaît pas beaucoup. Je sais pas trop où ils vont. Si je déclenche la bataille ici, je me tape la garnison et les trois armées derrière. Donc non. On s'arrache. On va revenir au château de Bastogne. Il faut protéger le château de Bastogne parce qu'il y a... on a le... Comment on appelle ça? On a une construction qui est commencée. Et ici on va revenir à Pavaron parce que je pense qu'il va attaquer Pavaron et il reviendra peut-être sur Quenelle. Hop. On va repasser le tour. On fait un épisode de 30 minutes à peu près. Hein. On va pas aller plus loin. Tiens, le moussillon s'étend, enfin s'écarte un peu. Technologie recherchée, ça c'est cool ça. Ici, on va faire ça du coup. À Quenelle. Et normalement, je suis censé pouvoir faire ça bientôt. Ouais, je dis rien. Réduction, ouais, non, j'en ai pas besoin. Ça c'est cool. Hop, on va revenir avec Enel. Et ici on va essayer de trouver l'armée du moussillon. Il faut absolument qu'on élimine celle-là. De toute façon elle pue la merde. À part ces deux unités là. Et leur lancer qui me font un peu peur en fait, mais sinon elle est à chier. I refuse. You seek counsel. Ok. On va repasser le tour. On va passer plusieurs tours comme ça. On va passer pas mal de tours à chaque fois. This is Bretonnia. I... Je l'envisage. Pourquoi pas? Ouais, non, non, on va refuser. Il faut qu'on en termine avec le pavaron. Ouais, tu pars où? Eh, tu vas où? Mais non. What the fuck? What the fuck? Pourquoi tu vas là-bas, toi? Tape, je peux toujours pas l'avoir. On va revenir à Bastogne, du coup. Oh, j'ai un nouveau truc de livre. Et du coup, on avait dit à Bastogne qu'on faisait de la défense. Ah non, c'est pas à Bastogne. Bah si, bah si, c'est à Bastogne. Calme-toi. Putain, je peux pas le faire. J'ai pas assez là-dessus. J'ai pas assez de thunes, en fait. J'ai la surplus de population à la couronne. C'est cool. Et ici, on a fait la mine. Et au château de Bastogne, ouais, on a agrandi. Et forêt Ardennes. Ici, on a fait notre mine qui nous a augmenté notre revenu. Ça, c'est cool. Ici, on est au max. On pourra bientôt faire ça. Ouais. Je vais quand même, en fait, demander le traité de paix au pavaron. Traité de paix, mais bien sûr, contre de la thune, si tu crois faire le kéké comme ça, il ne m'a rien me donner. Tu peux te mettre le doigt dans l'œil. On va demander un max quand même. Oh, on peut demander plus, bah on va demander plus. Hein.
bon allez je suis gentil, je vous laisse 300 de marge quand même. Mais voilà, et comme ça ils m'ont pas carotte là dessus. Et on va demander si possible. Non, ouais, les Carcassonne ils veulent rien. Ok bon bah les mecs allez vous faire. Et que le Nordland, moi j'aimerais bien avoir du commerce et que des peuples avec plus d'honneur pour découvrir de nouvelles factions, de nouvelles choses. Voilà. Alors, contre qui il pourrait aller? Moi je dis Montfort ou Gisoro. Personnellement, j'espère que ça sera plutôt vers Montfort. Ça serait plus correct. Mais normalement, ouais, je peux le faire, mon bâtiment de défense. Voilà. Ici, on va recruter à nouveau. Qu'est-ce qui vaut pas trop cher? Bah ça, ça vaut pas trop cher en fait. Alors, on va faire les 3. On va passer le tour. Ça, on aura pris au moins que Nel dans cet épisode. On a encore ouais, 8 minutes d'épisode à peu près. C'est assez cool. C'est cool. Oh. Toum, 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 toum. Hop. Alors, un truc. Un truc étrange. C'est qui ces gens? Ah, c'est le mec. Ok. Accord commercial dissous entre Bretonia et Lyonnais. Ah, c'est parce qu'ils se sont fait envahir par le Moussillon, ça. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, ils vont devoir espacer leurs forces pour tenir le Lyonnais et le Moussillon. Pour tenir toute la région. On a... fait de la défense à Quenel. Ça, c'est cool. Blessings of the lady be upon you. Et on va revenir sur Pavaron parce que Pavaron ne tiendra jamais face à tous ces gens. On doit absolument tenir cette ville-là. Là, on va venir à mi-chemin. Intrusion Léon Locker, ok. Voilà, on va venir à mi-chemin. On va repasser un tour. Et j'espère que ça va déclencher une bataille qui sera pour le prochain épisode. Au prochain tour, on pourra en déclencher une parce que ça devient long. Ok. Bon, il va vraiment falloir améliorer les défenses de l'Anguille. Parce que... voilà quoi, c'est chaud. Faction détruite, le Lyonnais. Okay. Le Lyonnais est détruit par le Moussillon. On dévalise à Pavaron. Ok. Les mecs dévalisent à Pavaron. Ok. Ils sont là. On déclenchera la bataille. Ici, on éliminera cette armée. Et on éliminera cela. Smite them. Ah, la miséricorde. Ils ont 2 unités de garde de crypte. Ils sont des très très grosses unités quand même. Oh, oh ouais putain, les unités de malade qu'ils ont. Les Black Knights sont horribles. Les Varghix aussi. Bon, les chauves-souris, ça va. Enfin, s'ils sont bien utilisés, ils peuvent être redoutables. Mais sinon, ça va. Et après, ouais, les Vargates, la Cryptoror. Ça, ça pue la merde. En fait, ça, c'est leur armée, ça, c'est leur garnison. Ça devrait être le contraire, mais bon. Voilà. Donc, bah, tout ça, ça sera pour l'épisode numéro 5, jeunes gens. J'espère que cet épisode 4 vous aura plu et on se retrouve très très vite. Je vous fais plein de bisous, bonnes fans de vacances. Salut à tous. Ciao, ciao.